Fraîchement licencié d'un poste qu'il occupait depuis des années, Larry Crown décide de s'inscrire à l'université pour reprendre ses études. Ce changement de vie professionnelle prend une tournure plus personnelle lorsqu'il tombe sous le charme de son professeur d'expression orale, Madame Tennant. Il n'est jamais trop tard a été réalisé par Tom Hanks, qui s'est aussi mis dans la peau de Larry Crown. Je me souviens de ma première fois à l'école et d'avoir été très impressionné. Cela ressemble à pas mal de situations que l'on peut avoir dans le show business, comme votre premier jour à un travail ou la première fois où vous travaillez avec quelqu'un qui est impressionnant ou qui peut vous virer. Peu importe si vous pensez être important ou non, vous ne perdez jamais cette peur, vous ne perdez jamais ce combat contre le cynisme. La belle et cynique désabusée Madame Tennant est jouée par Julia Roberts. Petit conseil en passant de David Hasselhoff sur le fait d'avoir une prof comme elle. Oubliez cette concentration, il faut y aller avec ses sentiments et fantasmer sur elle toute la journée, parce que c'est ça d'être un enfant, on fantasme sur ses professeurs. Et ensuite, quand vous êtes un prof, vous fantasmez sur les étudiants, c'est la vie. Reste à savoir comment une personne comme Tom Hanks, largement à l'abri du besoin, peut jouer un homme ordinaire qui a été viré de son boulot. Avec ce film, nous avons essayé d'être aussi authentiques que possible sur des gens qui seraient reconnaissables, quelle que soit la culture ou les vêtements. Je pense que j'ai suffisamment de contenance pour y arriver. J'ai la prétention de penser que je peux vivre dans un monde réel. Et nous avons pu recréer ce monde. Il n'est jamais trop tard, sortira sur grand écran cet été. Harry Crown, on deck! Crown, we've come to a parting of the ways. This sounds like you're firing me. They said it's because I didn't go to college. Get you some knowledge and you'll be fireproof. Can you get this hunk of junk working? How fast does it go? Barry! Didn't see you in the scooter pit last term. You're an ex-cop. Why would you think that? This is it? Nine. Excuse me, the state requires a minimum of 10 students, so this class is canceled. Thanks. Does this be shoe 17?